Est-ce que à la télé tu te fais blanchir les dents maintenant, t'es obligé? Non, mais je les brosse, tu vois. Alors que chez Mad, on vient comme on est, comme chez McDo, tu vois. Oh non, je suis en train d'appeler un ex. C'est bon. Alison, bonjour! Ça va? Ça te rappelle pas un vieux truc? Non. Elle est bio ta merde! Elle est bio ta merde! Mais il n'y a pas Sophie Riche. Bah oui. Parce que pour celles qui ne savent pas, c'était Sophie Riche, mais à l'époque, elle était dans l'ombre. Mais il n'y a pas Maxime Muscat. C'est vrai. Où est-ce qu'il est? Oh là là. Et justement, sacrée soirée! Tin, 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 Ta-da-da-da-da. tin, Il tin, est tin, tin. là-dessous! Comment ça va, Alison? Ça va et toi? Ça va bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ah ouais, ça fait un mois et demi. Ça fait. Sur Mademoiselle, je veux dire. Ah oui, sur Internet. Oui, sur C'est vrai. Mademoiselle. Ça fait plus longtemps. Ouais. Ça fait combien de temps exactement? Je ne sais pas. Eh ben calcule, parce Non. que ça sert à rien de faire des J'ai interviews. pas préparé plus que ça. Ah. Je pense que la dernière fois, c'était la chanson. Ah ouais? C'était Amalgame? la nuit. Ah non, non, c'était à Cannes, je suis bête. Bah oui. Oh là là, on avait fait des bêtises, hein. Non. Tu te souviens? Bah, dit comme ça, on dirait qu'on a eu un rapport, mais c'est pas le Non. cas. On a fait des blagues, Fabrice. Marie-Ange Nardi. Marie-Ange Nardi à Cannes. Le biopic. D'ailleurs, on va lancer comment on dit, un récoltage de fonds pour faire le long. Ah, ça y est, un crowdfunding? Un crowdfunding. D'accord. Ouais, ce serait bien. Ok. Est-ce qu'on démarre cette interview? Ouais. Parce que on te connaît sur Mademoiselle, mais on te connaît pas, enfin, pour du vrai, de savoir d'où tu viens, tout ça. Déjà, Wheeler, ça vient d'où? C'est un nom de scène, ça va quoi? Tu veux savoir d'où je viens? Oui. De la Tessie. Oui. En Wheeler, fait, pourquoi Wheeler? Je veux Wheeler, dire, c'est le nom de prends un ma nom grand-mère. français quoi. Ça va, Marine? Tu as un problème? Tu n'es pas Charlie, quel est ton problème? En fait, c'est le nom de ma grand-mère à l'époque où j'avais commencé la scène. Et il y avait plein de gens qui ne comprenaient pas pourquoi je m'appelais Alison. Ils étaient là, ah, mais attends, on ne sait pas d'où tu viens. Et je m'étais dit, oh, elle était décédée à l'époque où j'avais. Là, tu mettrais une musique un peu triste quand je raconte ça. Elle était décédée à l'époque où j'avais commencé le métier. J'avais mes premières fiches de paye et je pouvais mettre n'importe quel nom. Et j'ai dit, oh, bah, je prends son nom. Trop mignon. Voilà. D'accord. Donc en fait, et puis globalement, ça faisait Alison Wheeler, Yes. voilà, c'était cohérent. Ouais, j'étais contente. Que font tes parents dans leur vie? Mon père, il est kiné Ouais. en banlieue parisienne et ma mère, elle était athlète. Elle a couru pour l'Irlande, Ruth de son prénom. Et maintenant, elle est formatrice en anglais. Ta maman est irlandaise, donc. Voilà, elle danse la gigue. D'où ce petit accent parfait, quoi, quand tu parles en anglais. Ouais, il est pas parfait parfait, mais il était mieux avant. Ah, j'ai gratté le C'est pas micro. grave. Oh, l'interview est ratée. Faut tout refaire. Alison, donc de papa kiné, de maman athlète. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait comme bac, par exemple? Tu sais pas? Non mais les mademoiselles, elles savent pas. Ah oui, je Parce vous. que c'est un vrai problème, c'est que je connais la réponse moi-même de beaucoup Donc en fait, je devrais t'interviewer de. toi. J'ai fait un bac littéraire. Ouais, j'ai fait un bac L. J'étais beaucoup trop nulle en maths. Globalement, j'arrive pas à percevoir les chiffres. D'où mon problème avec les horaires, les dates, les calculs, l'argent. J'arrive pas à maîtriser tout ça. D'accord. Elle est dure, ma vie. Et après ton bac L, t'as fait quoi? J'ai fait des études de lettres modernes appliquées à la Sorbonne, Qu'est-ce que tu voulais case devenir? dédiée. Qu'est-ce que Bah, tu. en fait, je savais que je voulais être comédienne, mais je savais pas trop si je pouvais en vivre, si c'était un vrai métier, etc. Je connaissais pas trop de gens autour de moi en banlieue parisienne. C'était pas vraiment un métier, quoi. Tu savais pas comment rentrer. Du coup, ben, je me suis dit, je vais aller quand même étudier, lire des trucs, voir ce que je peux faire, si je peux faire un métier en rapport. J'en voyais pas vraiment. À part dans l'écriture, le journalisme, des trucs comme ça. Et du coup, en même temps que mon bac, j'ai commencé à bosser à la télé sur Fi TV. J'animais une émission. Mais c'est là que je t'ai rencontré. Bien sûr, il y a Oh. 10 ans, Arrête de donner plus, je des pense, chiffres plus comme que ça 10 ans, je qui foutent pense. des claques. Ouais. Toi, tu bossais pour Pimki. Moi, j'ai bossé pour Pinky, et en fait, on Moi, je avait. portais ses vêtements ignobles. Moi, je ne crache pas sur mon ancien employeur, si tu veux. Non, mais à Mais l'époque, maintenant je ah, crois que c'est mieux, mais à l'époque c'était hardcore. et donc. Une petite image.
faire des soucis, quoi. Et donc, en fait, comment tu t'es retrouvée chez FiTV? Parce que tu bossais pour Kawaii, c'est ça? Ouais. Tu faisais une quotidienne? Je faisais une quotidienne. En fait, pendant mon année du bac, j'avais décidé que, voilà, si je m'inscrivais à la fac, il fallait que je fasse un boulot en rapport avec, voilà, le monde du spectacle, quoi qu'il arrive. Et j'avais vu cette annonce sur Internet, j'avais passé un casting, n'importe quoi. Enfin, j'étais hyper mal dans ma peau, etc. Et j'étais prise. Je sais pas si c'était la meilleure idée, mais au moins ça m'a permis de me familiariser avec l'univers un peu violent du spectacle, de l'image, tout ça. Et ça m'a appris plein de trucs très, très rapidement. T'étais mal dans ta peau à l'époque? Bah attends, tu sors du bac, ton corps il grandit pas du même, pas la même rapidité d'un côté et de l'autre. T'es pas bien, quoi. D'accord, parce que moi j'avais pas cette sensation là, t'étais à l'époque t'étais d'obédience hip-hop, j'ai envie de dire. D'obédience hip-hop. Mais c'est vrai que t'étais habillée avec des trucs larges, etc. Mais j'adorais, moi j'étais à fond dans le hip-hop, le R&B, je faisais vachement de danse, j'avais mon groupe de danse, les Force 4, et je me rappelle, j'étais fan de casquettes, etc. Mais c'était aussi parce que, bah déjà j'adorais. Ce style-là, tout ce qui allait avec, et c'était un peu le côté j'assume pas ma féminité aussi, tu vois. J'assume pas énormément plus aujourd'hui, mais je me forçais pas à l'époque. J'étais dans un truc contestataire. Et en fait, je suis en train de faire le lien, parce que je l'avais pas fait jusque-là, mais donc en fait, t'étais avec Louise Bourgoin, ouais. Enfin, Ariane Bourgoin, ouais. chez FiTV. Ouais. Et là, t'es Miss Météo comme elle. C'est trop marrant parce que j'ai même calculé qu'elle a fait la météo à 28 ans. Et j'ai aujourd'hui 28 ans et je fais la météo. Donc c'est trop drôle parce que finalement, je fais les trucs un peu après elle. C'est rigolo. Ça a duré combien de temps ça? Ça a duré 3 ans. Ouais. Enfin, c'était une quotidienne, donc c'était assez hardcore et tout. Enfin, moi, j'étais venue, ouais, sur le plateau. C'était sportif. Fou. C'était n'importe quoi. On enregistrait deux émissions par jour. On écrivait nos chroniques, nos blagues. Et puis on était jeunes quand même. Moi, j'allais à la fac le matin. J'étudiais Louis-Ferdinand Céline. Et l'après-midi, j'allais étudier Billy Crawford et Willy Denze, Sherif Alouna. Alors, je ne sais pas si Sherif Alouna elle existait à l'époque. Mais... Bien sûr que si, elle existait. Ouais, en 2000? Mais oui, d'accord. Elle commençait à exister. Okay. Elle essayait. T'avais 17 ans? Ouais. Tu sortais tout juste du bac? Je sortais du ventre de ma mère, surtout. C'est très bizarre de faire de la télé quand t'es minus. Ah ouais? Comme ça. Bah oui, mais en fait, il y a un truc qui me soulage énormément, c'est qu'il n'y avait pas autant de réseaux sociaux à l'époque. Sinon, je pense que j'aurais... Tu serais tombé dans la déprime, tu vois? Bah ouais, parce que vraiment, on faisait un peu n'importe quoi. Et vu qu'on dit ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, je pense que je l'aurais mal vécu. T'es pas prêt à cet âge-là à recevoir des rafales de trucs. Tu vois, tu penses? Bah ouais, à 17 ans, j'aurais été détruite qu'on me dise que je suis moche. Alors qu'aujourd'hui... Ça me chiffonne pas, quoi. Ça me chiffonne. Tu l'acceptes de pas plaire à tout le monde. Il y a encore des images qui traînent sur l'internet ou pas? Ouais, des trucs, mais j'ai jamais vu. Mais je peux pas parce que c'est trop douloureux. C'est trop frais. Il y a plein de mademoiselles qui se souviennent de toi comme de Alison de FiTV. Elles ont le nez fin. Elles se souviennent. C'est des fouines. Ah, mais moi je la connaissais avant qu'elle soit célèbre. Mais t'imagines si y avait tout sur YouTube aujourd'hui, je pourrais décéder, quoi. Moi j'ai des cassettes chez moi, ça va être brûlé un jour. Ah ouais? Ah ouais. Non, mais faut les mettre sur YouTube, c'est trop bien. Non. Mais au contraire. Déjà, je sais pas pourquoi, ils voulaient absolument m'habiller en XS, donc j'avais toujours une dégaine de paupiettes à l'émission. Mon producteur m'avait demandé si j'étais enceinte un jour. Ah ouais? Ouais. C'était délicat. Bah c'est trop moulant, quoi, je suis désolée. C'était trop moulant, j'acceptais pas ça. Mais ils avaient voulu un peu monter les Spice Girls, dans l'idée, et puis t'étais un peu la comment c'est, Mel C, c'est ça de... Oh bah merci. Bah t'étais si, s'il y a une Spice Girl que je suis au fond de moi, c'est Mélanie B et personne d'autre. Pardon. Bon, après FiTV, tu fais quoi?
Après FITV, je fais ça 3 ans et à la fin, ça s'arrête. Petit à petit, il y en a plein d'autres. Bah, Louise, elle est partie sur Canal. Il y en a pas mal qui sont partis faire des carrières de comédienne. Et moi, j'avais une petite ouverture dans le théâtre de boulevard. Donc, je suis partie jouer au théâtre pendant 2 ans sur des pièces de boulevard dans Paris. Mais je vivais toujours en banlieue. Donc, j'allais jouer le soir et je rentrais avec le train de banlieue, la ligne H, chez ma mère. Et c'était bien fou cette époque aussi. Pourquoi c'était bien fou? Parce que j'apprenais un métier qui était celui de comédien de théâtre. Et t'as la vie qui va avec. T'es crevé la journée, le soir t'envoies tout. Et puis t'es surexcité, mais il n'y a plus personne qui sort parce qu'ils ont des vrais boulots, eux. Donc t'apprends un peu le décalage avec tes potes. Et aussi t'apprends tout ce qui est statut d'intermittent. Avoir tes 507 heures. Ah. Ouais. Pour les mademoiselles qui savent pas. Et ben, quand tu es intermittent, je te le conseille pas, c'est le statut qui te permet de toucher des indemnités quand tu ne travailles pas. Et ben, il faut cumuler 507 heures en 10 ou 12 mois, je crois. Et c'est un peu la galère les premières années, comprendre ce petit Ce système, baragouinage, surtout pour toi, avec système. tout ce qui est à base de chiffres et tout, Bah on ouais. reste là-dedans, toi. Moi, je pense que je me fais arnaquer vraiment beaucoup dans ma vie à cause de mon problème avec les chiffres. Ouais. Souvent, j'ai un pote à moi, il me dit, Alison, tu me devais pas 20 euros. Je fais, mais carrément. Je donne, mais c'est une blague. Voilà. Ouais, mais là, c'est plutôt un problème de mémoire où Ouais. t'es généreuse en fait. On va faire tous mes défauts. C'est pas possible. Ensuite, en fait, on s'était un peu perdu de vue et je t'ai retrouvé un peu par hasard parce que je t'ai vu au cinéma. Ouais, t'es C'était vraiment random. random de fou. Mais moi, ta tête, elle m'aura toujours marqué, Fabrice. Ah bon? Pourquoi? Ouais. J'avais été à Cannes pour les Talents Cannes 2012. C'est pas il y a si longtemps où j'avais un court-métrage qui était diffusé là-bas. C'était une sélection de comédiens. Et t'étais dans la salle. Mais avant ça, moi, je t'avais vu Quoi, où ça? dans Mon père est une femme de Ah, dans ménage. Mon père est une femme de ménage. Parce que c'était avant. Ouais, c'était avant, ouais. C'est là, je t'ai vu un jour au cinéma, j'ai fait, mais Ouais, moi, je t'ai pas vu, moi. je connais cette personne. Je t'ai envoyé un Ah! message, mais tu m'as pas répondu. Ah Peut-être, bon? ouais. Oh Tu étais là là, occupé. j'étais so high. C'est ça. J'étais dans mon succès. Oh, bah, je me rappelle pas t'avoir répondu, mais C'est pas grave. je te présente mes excuses. C'est pas grave non plus, mais c'est juste que c'était marrant de te voir au Cinoche en fait, parce que je me suis dit, tiens, en fait, ça y est, elle est au cinéma, la petite qui faisait des blagues et qui criait dans le micro à la télé sur FITV. Ce film, c'était très très fou. C'est que je savais pas que tant que tu l'as pas fait, tant que t'as pas eu ton premier job de comédienne, machin au cinéma, que c'est pas écrit noir sur blanc, t'y crois pas. Et j'avais passé. En fait, j'étais à la fac. Je me faisais très très chier pendant un cours de, je crois, de grammaire. Et il y avait ce casting qui avait lieu à 5 stations de là où j'étais. Genre, oh, purée, j'y vais, je me casse, je prends mon sac, le truc que tu fais pas en amphi. Et je sors, machin, et je vais au casting. Et je me rappelle, j'avais vraiment complètement menti sur mon âge, menti sur mon identité, tout, complètement mytho. Et j'avais fait tellement, je crois, j'avais vraiment collé au personnage du film, c'est-à-dire une nana qui prétend être quelqu'un qu'elle n'est pas, nana un peu superficielle, que j'avais un peu fait marrer. La réal Safia Azzedine à l'époque, et qu'elle m'avait dit bah, on se revoit. Et je savais pas du tout que c'était pour un vrai film avec des vrais acteurs. Et j'ai joué le rôle de la fille de Cluzet. Ton rôle est génial d'ailleurs. Moi, franchement, j'aime bien. Le personnage est vraiment canon. Je voulais faire un spin-off de ce personnage, l'esthéticienne qui rêve d'être Miss France quelque part, ou Miss de sa région au moins. Ou Miss de sa ville, quoi. En tout cas, mise de quelque chose, Mise de quelque chose, de d'être quelqu'un. connu. Ouais. Peu importe sa taille de jean. Et je me rappelle, pour le stylisme de ce film, la réal m'a fait choisir que des trucs que j'aimais bien. Elle a dit, bah, tu les auras pas. Et elle m'a mis que des trucs en plastique, serrés, des trucs, mais ignobles. Faut dire que tu étais un peu vieille pour jouer ce rôle-là, quoi. C'était un peu comme Jess Ouais. Van Der Beek ou
Ou Cathy Holmes qui jouait les ados dans Dawson, Ouais, quoi. c'était un peu ça. C'était un peu ça. D'accord. C'était cool comme expérience? Ouais, c'était génial. En fait, quand j'ai tourné mes scènes, je les avais tellement. C'est tellement des moments que t'attends toute ta vie que je me rappelle, la moindre phrase que je prononçais, c'était over-travaillé. Fallait vraiment quelques prises pour que je me détende et que je m'abandonne au truc. Mais c'était trop bien. Trop, trop bien. Et la réal était assez cool pour laisser tourner la caméra et faire quelques impros qui sont dans le film. Avec ma mère dans le film qui est jouée par Nanou Garcia, qui est une actrice de fou. Et c'était trop bien. D'accord. Et après ça, tu t'es retrouvé dans Clo-Clo. Dans Clo-Clo, ouais. Mais ils ont coupé plein de scènes à moi. Et toute ma vie, ça me pèsera. Ah ouais? Ouais. J'allais faire. J'ai. Ouais. Vas-y, raconte. Et. Non, mais raconte. En fait, en gros, c'est un peu ingrat parce que, ce métier parce que tu passes des castings pour des rôles et c'est du taf parfois. Clo-Clo, c'était du gros boulot, quoi. Plusieurs tours, machin. C'était un second rôle, mais il y avait pas mal de trucs à bosser et des scènes un peu dures à faire. Mais le scénar, il faisait ça et au final, ils allaient en garder que ça, quoi. Donc c'était évident, mais moi, je savais pas comment ça marchait à l'époque. Je ne sais pas si je sais toujours vraiment comment ça marche. J'avais bossé, machin. Tu passes le casting, le temps de tourner, t'as encore 3 mois. Tu tournes tes scènes sur 3 mois. J'avais 12 jours éclatés, machin. Il m'avait un peu rasé les sourcils parce qu'à l'époque, t'avais pas beaucoup de sourcils et moi, j'en ai un peu. Et il me les avait teints en blond. Du coup, pendant 3 mois, il fallait que je justifie ça auprès de mon mec et mes potes. C'était pas facile. 12 jours de tournage, c'est un gros rôle. Enfin, c'est pour faire quand même un gros Ouais, rôle, a un petit priori. rôle secondaire sympa. Et au final, ils ont gardé vraiment 1 minute 30 de moi, quoi. Et je le découvre dans la salle. Ah ouais. Le fail. Mais c'est la vie. C'est la vie de comédien, sans doute. Ouais. Et c'est pas forcément parce que t'es nul, c'est parce que bah c'est pas forcément plus intéressant que ça. Il y a des choix à faire et tout. Le film Mais était déjà très long, non? Il hyper dure long, hyper long. 2 heures et demie presque. Ouais, super film, super film. Mais bon, quand t'es comédien, tu t'as qu'une obsession, c'est toi pendant un certain temps, et puis après t'apprends à évoluer avec les autres. C'est ça qui est dur pour les comédiens. Ouais. Alors avec les autres, par exemple, t'as sans doute eu ta première scène de nu dans Clo-Clo. Oh, nu, c'est mes seins. Et tu te retrouves face à Jérémy Régnier tout nu par contre. Ah lui, bien nu. Ouais, beau souvenir. Et bah écoute, cette scène-là, Comment tu j'étais l'as vécu? pas. Enfin, lui, de le voir nu, j'ai pas tout vu, hein, pas bien vu. J'ai essayé de regarder, mais bon, tu restes pudique un peu dans ces moments-là. Non, non, il est très très beau, très bel homme et très très classe. Moi, j'étais pas. On voit que ma poitrine, hein, Non, mais oui. c'est Mais pas. tu sais, ça m'a fait penser à. Je sais pas si t'as vu cette vidéo sur internet où t'as une scène de sexe en fait, et ils montrent les coulisses, et entre les coupes et tout, enfin entre les scènes, la maquilleuse qui revient, et en fait, tu l'as pas vu ça? T'as Non. pas vu ça? C'est vraiment très drôle. Et en fait, tu m'avais raconté que c'était assez bizarre qu'il y ait tout ce monde-là autour de toi, et qu'il y a un mec qui est en train de zoomer en particulier sur. Enfin, bon, peut-être que c'est Mais en fait, nous, anecdotique. c'était pas vraiment une scène, c'est pas du tout une scène de sexe, c'est plus une scène d'intimité. Mais je sais que j'avais vraiment beaucoup, beaucoup réfléchi au truc avant, j'avais très, très peur. J'avais peur de l'image que mes potes, mes proches allaient avoir de moi. Et en fait, il y a vraiment que moi que ça dérangeait. T'as quelques potes qui vont te vanner, mais si tu réagis pas, la discussion s'arrête rapidement. Et c'est vrai que sur le tournage, déjà, t'es en effectif réduit. Et en plus. Les mecs, les électros, les garçons et les filles qui travaillent autour ont l'habitude et en fait ils n'ont pas que ça à faire de De te te mater mater. quoi. Et c'est un travail, ils sont pas là pour. Je pense que le premier, s'il y en avait un qui avait explosé de rire ou qui avait fait un truc nul, pas très respectueux, il aurait dégagé. Non, c'était plutôt respectueux. Et puis Jérémy. Entre les prises, qui prenait une guitare et faisait semblant de jouer à la guitare avec
avec ses attirails, son attirail, c'était rigolo. Enfin, mais toi, tu disais que tu n'étais pas à l'aise avec ça, avec l'idée de te mettre nue, c'est ça, face à la caméra? C'était pas forcément un truc qui T'es te... pas préparé, t'es pas préparé. Puis tu sais pas si, tu sais pas quand le rôle en vaut la peine, quoi. Tu sais pas ce que ça raconte, tu sais pas comment ça va être filmé. Tu donnes un truc hyper intime de toi, tu dis oh, ça va aller où, qui va dire quoi. Je pense que ça, faut avoir quand même une certaine aisance et faut avoir envie. Moi, ça, pour le moment, c'est pas ma priorité, quoi. Mais il y en a pour qui c'est plus dur de chialer devant une caméra que de montrer les miches, hein. C'est une forme de, c'est une autre forme de pudeur en fait. Bah ouais. Tu la mets où tu veux. Entre-temps, en fait, on se retrouve à Cannes, un Ouais. peu par hasard, complètement par Ah hasard même. ouais. Complètement pas. C'est vrai, tu m'avais pas du tout. Mais non, parce que j'avais pas vu que t'étais là, moi. T'es allé au Talencane à la Projo Et comme ça. je suis allé au Talencan parce qu'on était en train de tourner avec Maxime à l'époque, Ah bah oui. et on voulait voir Maurice Barthélémy qui était présent dans le truc. C'est vrai. Et alors moi j'ai vécu la scène comme ça, c'est-à-dire que c'était en contre-jour, vraiment, et en fait je vois une sorte de personne, mais vraiment loin, qui me fait comme ça, qui me fait des grands signes et tout, je Avec fais une voix aiguë comme ça. je ne t'ai pas reconnu en fait, parce que vraiment t'étais en contre-jour. Et en fait t'as déboulé vers moi et puis t'es fait, ça va, femme, machin, tout ça, j'étais, oh mon Dieu, Addison, elle est de retour, elle existe encore. Back. On se retrouve, On voilà. se Et puis on se retrouve. dit, dis donc, finalement on pourrait peut-être faire des trucs ensemble. Et c'est ouais. Et comment il s'appelle le manager de Dalida? Son frère. Mimi, le frère de Dalida. C'est son prénom. Orlando. Oh, voilà. Orlando. Finalement, toi, t'as été un peu mon Orlando à l'époque. C'est tout ça pour une phrase, quoi. Parce que tu m'as un peu. Je sais pas, tu m'as. À l'époque, j'étais dans un truc vraiment. J'étais très, très dépendante du système casting, agent, directeur. Faites-moi bosser quand vous voulez. Et en attendant, je compte les moutons. Et toi, tu m'as dit, ah, oh, mais attends, mais t'écris, bouge-toi le cul. C'est vrai que t'écrivais. Ouais, j'écrivais et t'as été le premier à me dire, mais attends, mais ça sert à rien que tes trucs ils dorment dans ton ordi. Moi, je te filme, on fait des blagues. Et tu m'as lu. En fait, tu m'as vachement poussé. Et t'as lu mes trucs, mes textes, et t'as été le premier à dire, regardez! J'aime pas le gâchis en fait. Ouais. Ça te met en colère, Orlando, hein? Je trouvais que c'est... Non, c'est marrant, j'avais pas la ref non plus. Mais en fait, ouais, c'est ça, c'est que moi je trouvais que c'était un peu gâché et que. Mais t'étais pas du tout dans le game de YouTube et Non, d'Internet à l'époque. Donc non. c'est vrai que je t'ai amené un peu là-dedans en disant, bah viens, en fait, on peut faire des trucs sans être obligé de faire un film ou Ouais. un court-métrage. J'avais pas la bonne. Je connaissais pas bien Internet. Je connaissais pas les bonnes choses. J'étais pas assez curieuse. Et tu m'as montré pas mal de trucs qui m'ont mis la puce à l'oreille. Tu me disais, mais regarde, ça, c'est possible. On peut rigoler. On peut faire des trucs. Finalement, c'est assez compatible avec ce que je voulais faire, c'est être à l'origine de ces projets et écrire. Et surtout, tu confrontes ce que tu sais faire aux gens et t'apprends plus vite, quoi. Avec les réseaux sociaux notamment. Et ouais. Et donc, bah oui, c'était marrant aussi parce que donc on a fait cette première vidéo ensemble, Ouais. La nuit où, avec Ouais. Maxime, et où tu jouais une actrice Connu. connue, enfin connue. Très conne et très Et c'était nue. vraiment c'était marrant de voir ta première expérience, enfin c'était marrant de vivre en direct en fait ta première expérience avec les retours sur l'internet du public, quoi. Ouais. T'étais pas, c'est marrant, J'étais pas bien. c'était pas très bien en fait. Mais même si les commentaires étaient plutôt cool, c'est rigolo parce que tu te focalisais enfin, tu avais vraiment le Uniquement. réflexe de te focaliser uniquement sur les quelques commentaires négatifs. Quand tu sais pas comment ça marche, tu te dis que c'est d'une violence sans nom. Et après, tu apprends à vivre avec. C'est un juste retour. C'est-à-dire que tu as une grosse exposition. Donc, les gens qui n'aiment pas, ils ont le droit de te dire j'aime pas. Et souvent, c'est construit et fondé. Faut juste accepter, quoi. Après, moi, j'avais l'impression, oh purée, tout est de ma faute parce que quand tu fais un film, rien n'est de ta faute. T'es juste comédien. Là, t'écris, tu fais ta vidéo. Alors, en théorie, t'es censé avoir ton mot à dire sur à peu près tout. Et les gens qui aimaient pas, c'est de la merde, ou qui te disent va mourir, tu dis bon, peut-être qu'il faut que je fasse ça, ouais, je vais peut-être aller mourir. Non. Tu veux. Ça allait très vite dans ma tête à l'instant, mais.
tu peux pas tout prendre à cœur, mais j'ai mis du temps. C'est plus à mon passage au bagel où j'ai commencé à m'en détacher. Comme eux, ça brasse vraiment beaucoup, beaucoup de gens d'âges différents. Je me suis dit, bon, bah, ça va. Faut vraiment se détacher, quoi. Et donc, on fait trois vidéos ensemble. Quatre, non? Quatre. Il y avait la nuit où, la caméra cachée, oui. Et le mode d'emploi. Oui, mais on en a fait plus parce qu'on a fait trois la nuit où. Donc, on en a fait plus. Cinq. Je pensais à la nuit où, en vrai. Mais après, c'est vrai qu'on est allé à Cannes. Ouais. Faire cette fameuse caméra cachée qui t'aura valu un Comedy Award. Un Oscar. Un Oscar de l'Internet. Tellement drôle cette soirée. Mes filles désormais t'appellent maman en fait quand elles te voient à la télé, hein, faut le savoir. Parce que t'as joué avec mes deux filles la nuit où j'ai rêvé d'être maman. Qu'est-ce qu'elles jouent bien. C'est des enfants en même temps. Mais c'est dur hein, à diriger les enfants. Mm. Je me rappelle Kim par moment, elle voulait juste se barrer en fait. Oui, la petite, ouais, elle était pas. Et on était obligé de la laisser 20 minutes dans un coin avant d'avancer sur autre chose. Puis on voit si elle veut bien revenir. Puis d'un coup, elle voulait bien. Voilà. Imprévisible, comme la météo. C'est beau, hein. C'était magnifique. J'ai envie de peindre ça. On va reparler de la météo après, parce que. Donc après tu rentres chez Bagel en fait, tu rejoins cette team, cette fameuse troupe. Et t'étais je pense que ça a été plutôt l'intégration pour toi parce que t'as été assez vite intégré dans les vidéos, etc. Ouais, c'était pas évident parce que je sortais vraiment pour eux, je sortais vraiment d'un monde qui n'était pas le leur, qui était celui plus de théâtre. J'avais fait un tout petit peu de ciné. Et du coup, c'était pas forcément leur école à eux. C'est que des autodidactes assez débrouillards qui font leurs choses eux-mêmes. Et du coup, au départ, c'était vraiment. Je me suis vraiment dit, il faut que je me mette une pile et que je mérite ma place, pas simplement bénéficier de leur communauté, machin. Et j'essayais au max, que ce soit dans le zapping ou à travers les vidéos que j'ai écrites, de faire un truc qui me ressemble et apporter ma contribution, quoi. C'est beau. Tu pleures? Oui. Pour moi, la vidéo qui t'a fait exploser dans le bagel, c'était le dernier verre. C'est ma première. C'était ta... Bah... oui, c'est la première que t'as écrite. T'avais joué dans des vidéos avant, mais c'est la première que t'as écrite. Ouais. En fait. Comment ça s'est passé? Ce texte-là, il existait d'avant. Je l'avais écrit. J'en ai beaucoup parlé. Et en fait, je voulais vraiment raconter ce qui se passait dans la tête d'une fille, pas de toutes les filles de la Terre, parce que c'est trop difficile. Mais la tête d'une fille sur un premier date, est-ce que j'ai le droit ou pas de l'emmener là-haut? Et tu vois, la distinction entre la petite la fille modèle qui sommeille en nous et la jeune biatch qui a envie de connaître le monde. Qui se tire la bourre en permanence. Un peu comme ça, en vrai. Ouais, je pense que pas mal de gens sont comme ça, tu vois. On est des gens bien, tu pèses les pour et contre tout le temps. Peut-être un qui l'emporte sur l'autre de temps en temps, mais... Ouais, c'est pas facile, ça. Tu fais les bons choix et... Bon, ça reste léger, hein. Mais ça me faisait marrer de faire ce débat-là sur une vidéo. C'était rigolo à faire. Je trouvais ça sympa. Avec Jérôme Niel. Le bon gros Jérôme. Le bon gros Jérôme. Jérôme, c'est trop marrant parce que tu peux lui filer un texte où il y a zéro vanne. Enfin, il n'y en avait pas zéro, mais il te rajoute tellement de trucs. Il est fort pour ça. Il le faisait en impro, tu veux dire? Ouais. Tu lui demandes pas, il est déjà en train d'escalader un mur. Après, tu peux pas tout prendre, mais il apporte plein de trucs. Sur ça, c'est bien quand t'as un rôle, tu sais pas trop... vers où l'amener, Jérôme, il apporte plein de trucs. Ça aussi, la force des gens du bagel, c'est que les comédiens ont tellement envie d'upgrader les rôles et d'avoir des persos. Ils ont l'habitude de construire leur propre perso, leur propre personnage. Et du coup, ils sont tout le temps en proposition, quoi. Ludovic, c'est pareil. Sur Entrée, plat, dessert, qu'on a écrit ensemble avec Axel aussi, il a ce personnage odieux de mec qui se transforme au fil du repas. Il est fort, quoi. D'accord. Ok.
Comment ça se passe la transition entre coucou, je suis chez le bagel et en fait tu te retrouves un peu propulsé sur Canal en fait. À l'époque, Vanessa part en tournage, c'est ça? Vanessa Guide, que je suis depuis des années, c'est trop marrant. On était Talent Cannes 2012 ensemble, j'ai récupéré son appart et on se croise sur le tournage de Pendant ce temps parce qu'on était dans le même programme court. Ah oui, c'est vrai, t'as fait aussi pendant Ouais. ce temps. Il y a des gens comme ça que j'ai tout au long de ma vie, c'est trop marrant, qui est une copine. Et en fait, elle commence à décoller de fou. Elle est sur le JT de l'invité sur Canal+, avec Monsieur Poulpe. Et en gros, elle s'en va tourner Aladdin avec Kev Adams. Donc, je crois qu'elle s'absente un mois et demi. Et je fais. Du coup, ils cherchent une remplaçante. Moi, j'avais déjà passé les essais. Ils avaient hésité, mais Vanessa était bien plus fraîche. Et du coup, je l'ai remplacée pendant un mois et demi. Et pendant ce mois et demi, Raphaël Dupierre, qui était à la météo à l'époque, part pour faire une autre rubrique dans le Grand Journal. Et on est à l'essai, Poulpe et moi, pour faire la météo un jeudi. Et on fait la météo des ex de ta mère. C'est-à-dire qu'on s'embrouille parce que Poulpe me dit que je suis pas assez belle pour faire la météo. Ça faisait rire de déconner sur les codes de la météo et dire un peu ce que les gens pensent, quoi. Et en fait, c'était marrant, c'était un peu en décalage avec ce qui se faisait à l'époque. Et voilà, ça a continué comme ça. Ça a continué. Alors, il y a eu quand même quelques moments d'anthologie pendant votre météo, et notamment le fameux lundi, c'est R&B. Lundi, c'est R&B. D'où ça vous vient cette idée de... Ah. C'est toi encore, ça, je suis sûr que c'est toi. Franchement, en toute sincérité, je crois que ça vient un peu des deux. Il y a une fixation, j'en ai conscience, de ma part sur le R&B Oui. et tout ce qui est street culture. Non, j'adore les chanteuses de R&B, c'est un truc, ça me fascine. Pourquoi? Ben, les meufs qu'on connaît pas, mais qui sont toujours à l'arrière-plan dans les chansons, derrière les chanteurs, qui font ouh, non, non, non. Et tu sais, le mec, il chante et elles ont, je sais pas, 4 secondes, 5 secondes dans la chanson et elles sont écrites en petit sur la pochette. Elles doivent gagner 15 centimes sur iTunes quand on télécharge leur chanson, quoi. Et je sais pas, Poul, je pense que T'as dû un peu l'engrainer J'ai quand dû même, un hein. peu l'engrainer et il adore aussi rapper les personnages un peu fous. Et lui, depuis des mois à la météo, des semaines, n'arrêtait pas de dire faut qu'on fasse un lundi, c'est R&B. Et on ne l'avait pas encore tenté parce que c'est tellement fou de venir chanter du R&B devant des politiques. C'est compliqué, hein? Bah oui, en direct en En plus. direct. Et tu te fais comme ça, tu sais. T'as conscience quand même quand tu chantes, tu t'adresses à un type qui prend des décisions un peu pour ton pays, il faut peut-être aller doucement. Mais en fait, non, c'est Poulpe qui a vachement insisté pour faire ce truc-là. Mais qu'est-ce que j'étais contente. Pour moi, votre premier fait d'armes, c'est quand vous vous retrouvez face à Xavier Bertrand par rapport à la Ouais. manif pour tous. Quand vous décidez d'écrire ça, vous vous rendez compte à quel point ça va buser sur l'internet, forcément ou pas? Bah, la manif pour tous, c'est marrant parce que Poulpe et moi, on avait peur de dire ce qu'on pensait, alors que c'est nul parce que on dit un truc que beaucoup de gens pensent, c'est-à-dire que être contre le mariage pour tous, ce sont des idées qu'on peut qualifier d'un peu archaïques. C'est un point de vue. Et nous, on n'avait pas envie de se faire les porte-paroles en tant qu'humoriste d'un truc sérieux. Et en fait, on l'a fait et ça a été un peu apprécié parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui n'osaient pas le dire. En tout cas, des gens qui doivent faire sourire, qui en fait décident de ne pas faire sourire. Pourquoi vous aviez peur, c'était une forme d'autocensure en fait, c'est ça, de se dire, Non, c'est pas c'était notre dit rôle. quelle légitimité on Oui. a pour dire à une heure de grande écoute à la télé, moi je pense ça. Juste que mon point de vue intéresse les gens. En fait, il y a des fois, oui. D'accord. Mais c'est pas facile, tu vois, de prendre position. Ah bah oui. Moi, quand on reçoit Jean-Marie Le Pen, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je peux le faire rigoler? Qu'est-ce qu'on va me dire si je le fais rire? Si je le fais pas rigoler, que je donne mon avis, est-ce que je suis démago? Et la position, elle est pas facile.
Et après, tu as fini par clasher Éric Zemmour aussi. Ah, c'était sympa ça. J'ai trouvé que personnellement, c'était extrêmement jouissif que Éric Zemmour se fasse dégommer par la petite blonde que tu es et qui chante en mode R&B, tu vois, soumise. L'air de rien. C'est pareil, ça vient tout seul quand tu décides. Quand vous voyez qu'il y a Éric Zemmour en face de vous, vous décidez de faire quoi en fait ? En fait, c'était pas évident parce qu'on s'est dit. On n'avait pas forcément, comme d'hab, envie d'exposer un point de vue, sauf que là, on n'avait pas le choix. Le mec, il dit des trucs trop gros pour passer à côté. Si tu profites pas de ce moment pour dire un truc, c'est que t'as pas compris le truc, c'est que t'as l'occasion de parler avec lui. Et en plus, je pense qu'il a pas reçu le clash aussi violemment que si c'était un chroniqueur qui leur avait dit. On lui a dit en chanson qu'on n'était pas d'accord, sans un truc moralisateur. Puis une ou deux vannes dedans à la con. Et on est ridicule un peu, parce qu'on se prend au sérieux en version R&B. Donc je pense que ça va. Il a pas mal pris. Tu crois ? Bah, je sais pas, je le connais pas, j'ai pas eu au téléphone. On va l'appeler. C'est pas ton pote ? Allô Eric ? C'est pas mon pote, non. Mais j'étais contente parce que je me dis finalement c'est bien de se faire plaisir à l'antenne et de faire des trucs rigolos. Et c'est bien aussi si tu peux à ton échelle, parce qu'on n'est pas non plus des politiques, mais à faire avancer des choses, même si c'est sur 1 minute 30 un soir dans ta vie. C'est déjà pas mal. Ok. Non, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est cool de pas juste faire la météo et pas juste faire des blagues. Ouais. Quand tu peux. Bah, souvent, on nous dit, mais elle est où la météo ? Mais ça a toujours été le cas, de toute façon, sur Canal. La météo, elle passe à l'envers. Enfin, elle passe après. Pas à l'envers du tout. Bah, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Et bah, pareil, sur je suis Charlie, t'as pas pu t'empêcher de venir mettre ton avis, ton grain de sel. Sur le truc. C'était dur. Bah, j'ai pas fait la météo le jour des événements à Charlie Hebdo parce que c'était une émission Breaking News et je t'avoue que ça m'arrangeait parce que impossible de savoir quoi dire, impossible d'avoir le cœur à rire même si en théorie il aurait fallu qu'on le fasse tous. Tout le monde était sous le coup de l'émotion et voilà, le lendemain, j'ai fait une météo où j'ai demandé à des dessinateurs de contribuer à dessiner la météo le temps qu'il fera demain. Et quand je suis arrivée en plateau, en face de ces gens, j'étais tellement émue parce que tu sais que ce sont des proches, que tous sont un peu plus ou moins très affectés. Et tu peux... c'est difficile d'avoir le cœur à rire, même si tu sais que c'est ce que tu dois faire. J'ai essayé de faire un truc à ma manière, quoi. T'avais pas un peu la voix au perché par rapport à Dab ? Moi, tout se passe dans ma voix. L'émotion passait dans ta voix. Ah, c'est horrible. Non, ouais. Mais moi, je peux rien cacher. Ouais, carrément les boules, quoi. Mm-hmm. Carrément les boules. J'ai dit, tiens, c'est un peu plus au perché que d'habitude. Elle doit vraiment doit pas être bien. T'écris ton truc toute la journée et tu vois pas les invités jusqu'au moment du direct où là, tu descends les escaliers, tu fais, ça y est, c'est du vrai, ils sont là. Comme quand j'ai vu Zemmour, quoi. Bon, c'est pas la même émotion, mais ce que tu as préparé prend vie. Et il peut être aussi modifié, il peut basculer par rapport à la réaction de l'autre en face. Si tu as du répondant, un regard ou un truc, moi, il suffit que je décolle les yeux de mon prompteur et je croise le regard du gars et ça peut me décontenancer parce que je suis pas Gaspard Proust ou Nico Bedos avec. Je suis pas armée, quoi. Je commence. Donc c'est dur, tu vois. Depuis la rentrée, t'es toute seule aussi. Ouais. Poulpe ne fait plus, sauf le... Poulpe, il reste avec moi les vendredis pour reprendre le R&B. Donc maintenant, ce sera vendredi, c'est R&B. Et c'est bien, ça marche pour tous les jours de la semaine. Tu vois, il n'y a pas de lézard. Et il se lance sur une nouvelle chronique high-tech. Et maintenant, je suis sur la météo toute seule, ouais. D'accord. Sans filet. All alone. Ouais. D'accord. Nouveau challenge, mon gars. Nouveau challenge, ma gueule. On pourra plus mentir. T'as des projets, Alison ? Parce que j'imagine que la météo doit te prendre ta vie, en fait, à peu près. Bah, du lundi au vendredi, je travaille.
de 10h à 21h. Et j'ai projet de récupérer une vie sociale, affective, tout ce qui va avec les week-ends ou je sais pas, après le travail. C'est un peu flou parce que je sais que je pourrais bosser que cet été sur d'autres projets que la météo. Donc pour le moment, je lis des trucs et je me jette pas sur le premier projet parce que j'ai envie de. Forcément, plus j'attends, plus j'ai envie que ce soit cool. Donc je lis des trucs tranquillement pour une fois que j'ai le temps et que je suis pas dans le besoin de bosser tout de suite. Bah, j'essaie de sélectionner quoi. Et t'as plus trop le temps de bosser pour Bagel de cette là, j'imagine. Et ben sur le dézapping, non, parce que c'est sur les horaires de la météo. Mais les vidéos bagel, si. J'espère bien en écrire et en faire au même titre que les autres talents. Ah ouais. Oh ouais. Ah ouais. Non, j'ai une ou deux idées. On va voir. Ok, très bien. Bon, Addison, ça fait 50 minutes qu'on parle. 50 minutes inside. 50 minutes inside. C'était bien ou pas? Je pense que c'était bien. On a rigolé? On a rigolé, puis c'était sérieux. Mais moi, je me suis entendu parler, je me suis trouvée très monocorde, Mimi, qui s'en pense. Genre, ma voix. Est-ce que tu veux conclure en chantant? Tu veux chanter quoi? Je sais pas, tu chantes, tu sais chanter de toute façon. Ok, j'ai un nouveau single qui sort. Ah ouais? Ouais. C'est Boobies ou pas? C'est. Quand est-ce qu'on va revoir Boobies? J'aurais trop qu'elle revienne. Non, C'est mais toi en en même vrai, moi, temps, je voudrais faire des chansons R&B sur des sujets lourds. hein. T'es Pourquoi prêt ou tu... pas? Ouais, vas-y. Dans ma maison sous terre, on m'a oué, on m'a. C'est pas possible de travailler dans ces conditions-là. Pardon, enquête. Refais. La meuf, elle arrive sur scène avec des danseuses un peu comme ça. Dans ma maison. T'as pas une chanson débile comme ça? Toujours quand tu chantes du R&B, faut toujours que t'aies l'impression que la meuf, elle a une tostinette dans la gorge. Mais un truc qui bloque les voies respiratoires. Un truc qui bloque les voies respiratoires et qui pue le fromage, ça. D'accord. Mais comment? Petit tuto, comment apprendre à chanter correctement un R&B? J'aimerais faire un single, mais que de vibe. Comment ça? Eh non, oh, yeah, oh, le truc très long, et très chiant. Est-ce que si je te donne un livre, Ouais, je peux te chanter un truc. tu pourrais le chanter? Ouais, il faut que ce soit un truc hyper sérieux. Non, justement. Ouais. Tu vas voir. Il est où? Je vais vraiment rire pas fort. Alison chante du mommy porn, façon R&B. D'où Jésus. D'où Jésus, oui, voilà. Ça, on me fait pas faire. C'est dégueulasse, hein. Je vous félicite pas. Fais attention à la route, Sensei. Je sais que tu préférais me regarder pendant que je te suce. Mais je préférais pas mourir en m'étouffant avec ton sexe dans un accident de voiture. Ok, Amory l'engloutit tout entier. La tige bien dure. Entre. Les gars, quoi, c'est pas sérieux. Elle creusa les jeux. Hein? Elle causa les jouets le suça, appréciant le goût musqué. On ne veut jamais musquer. Hein. Et piquant sous la langue, velours à son contact. Et n'importe quoi. Elle faisait des cercles avec la main. Et ma mère, si elle voit ça, elle va pas être d'accord. Nanana. Bonjour Ruth. Hi Ruth. Il n'y a pas beaucoup de. En fait, il n'y a pas de rime. Moi, j'ai pas envie de chanter quand il n'y a pas de rime. Une montée de désir. Penche-toi. Penche-toi, penche-toi. J'ai le sang plutôt chaud. Je connais pas tout ça. Moi, ça fait bien longtemps que j'ai plus accès à toutes Ça aide pas la télé? ces mascarades. Non. Non. Si vous recherchez une jeune femme blonde. Bah, je suis sur Jean-Michel depuis plusieurs semaines, mais vraiment,
Il joue le jeu de « Fuis-moi, je te suis ». Merci Alison pour ce petit moment passé en ta compagnie.